première table ronde qui va être consacrée à l'innovation hospitalière et qui sera modérée par le professeur Loïc Marcot, professeur de gynécologie obstétrique, président de la commission médicale d'établissement, qui va vous présenter les intervenants. Chers amis, Philippe, merci d'avoir composé cette table ronde qui réunit quatre personnages hautement symboliques de ce que doit être un CHU. Je suis le représentant et l'élu du corps médical, après toi, Philippe. Et puis nous avons sur cette table ronde M. Moinard, qui est l'archétype d'un directeur de CHU, puisqu'il a été le président de la conférence des CHU de France. Et puis nous avons ensuite, il parlera en premier, et puis nous avons ensuite Christian Tullier, qui est l'archétype des doyens intéressés à la pédagogie et à la recherche, puisqu'il a été le président de la conférence des doyens de France. Et puis le petit dernier, tout là-bas à gauche, qui représente l'avenir, Gaël Nicolas, qui s'intéresse, vous verrez, beaucoup à la génétique, clinique, et nous espérons. Alors, monsieur Moinard, si vous voulez prendre la parole. Comme je suis l'archétype, pardonnez-moi, de celui qui doit garder le temps, je suis très vexé si de temps en temps vous auriez un petit coup de triangle les uns les autres, ça veut dire que c'est bientôt la suite. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais parler assez rapidement, madame la ministre, monsieur le maire, professeur, cher docteur, mes chers collègues, Anna Alcour, Christian Père, Isabelle Message. Voilà, donc je vais la présidente du conseil de surveillance également. Je vais insister sur un certain nombre de repères historiques qui me paraissent particulièrement importants. Donc tout d'abord, je dirais que l'hôpital moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, on peut faire remonter l'acte de naissance à 1945, c'est-à-dire les ordonnances qui ont créé la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, création assurée par deux grandes figures de la résistance, et le général de Gaulle était le chef du gouvernement à l'époque, c'était Ambroise Croizat qui était ministre communiste des Affaires sociales, et puis Pierre Larocque qui était haut fonctionnaire, qui était un grand résistant, également pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette sécurité sociale a une branche, c'est l'assurance maladie, qui a permis de solvabiliser tous les citoyens de la République face aux risques de santé et qui a permis à l'hôpital de s'ouvrir à tous les publics. Alors que jusqu'en 1945, et depuis sa naissance, que l'on fait remonter à 325 au concile de Nicée, l'hôpital était exclusivement réservé aux pauvres. Après les mises ordonnances de 1958, je n'insiste pas dessus, avec les trois missions des CHU, soins, enseignement, recherche, la création d'un corps d'élite des hôpitaux universitaires qui sont arrivés massivement dans nos institutions. Et après, je distingue trois périodes. Une première période, 1960-1980, c'est la période où les CHU se sont construits, au sens concret du terme. Tous les facteurs étaient favorables. Il y a le corps d'élite hospitalo-universitaire qui arrivait en masse dans nos institutions hospitalières. Je vous le permettrai également. Un corps d'élite des directeurs généraux de CHU, dont Alain Bou a fait partie, que je salue respectueusement. Et à ce moment-là, les CHU se sont construits effectivement parce que aussi les conditions économiques étaient extrêmement favorables. Le système de financement reposait sur les prix de journée, il y avait des masses d'honoraires dont les excédents pouvaient être affectés à l'investissement. Les plans de financement pour les investissements font rêver les directeurs généraux aujourd'hui. On avait 40% de subventions d'État, rendez-vous compte, 40% de subventions d'État. Un prêt sans intérêt de l'assurance maladie, et le solde, c'est-à-dire les 30% restants, nous les empruntions au Crédit Local de France, qui était une filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
je ne sais pas ce qui se passe derrière, une filière de la Caisse des dépôts et consignations, et on remboursait en monnaie de singe grâce à l'inflation. Donc ça, ça a duré une vingtaine d'années, et puis toutes les bonnes choses ont une fin. Est arrivée la première grande crise économique en 1975 avec la crise pétrolière. Comme en France, il faut un petit peu de temps pour qu'on réagisse. La réaction est arrivée à l'été 1979. Il y a un coup de barre qui a été nommé par Raymond Barre, qui était Premier ministre à l'époque, qui a envoyé au directeur d'établissement, en PNP, une circulaire interdisant les prix de les budgets supplémentaires, bloquant les prix de journée, les crédits, etc. Donc on n'en revenait pas et nous étions convoqués, les directeurs, par les préfets, pour recevoir des instructions claires, nettes et précises. Après est arrivé le budget global. À partir de 1982, ce budget global, on l'a très mal vécu, les médecins, les directeurs, parce que on recevait une dotation globale, chaque établissement hospitalier recevait une dotation globale de financement, une enveloppe de ressources, à ne pas dépasser. On ne parlait plus du tout d'activité, il ne fallait surtout pas développer l'activité, puisqu'un tout développement de l'activité venait ponctionner sur cette dotation globale. Donc l'activité des établissements hospitaliers publics a diminué, le privé lui a pris un bel essor, c'est certain, et l'investissement a diminué fortement également dans nos établissements hospitaliers. Il y a trois éclaircies qui m'ont tout de même pendant cette période, de 1980 à 2000. En 1988, il y a eu une loi Hurier qui a été la première loi fixant un cadre juridique aux essais cliniques, ce qui veut dire que dans les CHU, la recherche commençait à prendre une part extrêmement importante. Il y a eu également, en 1992, la politique conduite par le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Bernard Kouchner, et qui avait comme conseiller technique Félix Saïès, et qui a lancé le premier PHRC, avec des crédits exclusivement réservés au développement de la recherche clinique. Ça a été un coup de fouet de la recherche clinique dans les CHU à partir de cette date-là. Et puis, il y a eu également la naissance du PMSI, du programme de médicalisation du système d'information, pour mieux cerner l'activité et mieux cerner les ressources consommées pour cette activité, ce qui nous préparait à la troisième évolution qui a démarré au tout début des années 2000 et sous le régime de laquelle nous vivons encore. Et les CHU ont eu un rôle déterminant dans cette évolution. Vous savez que nous sommes organisés en trois conférences, les doyens, les présidents de CME, les directeurs généraux. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble. Et en 2003, il y a eu des assises des hôpitaux universitaires où les trois conférences ont présenté au ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Jean-François Mattei, un protocole d'accord en sept points. On voulait, d'une part, en finir avec la dotation globale, définitivement. Nous avons demandé la tarification à l'activité. Deuxièmement, on voulait revoir la gouvernance des CHU, et on proposait un conseil stratégique qui est devenu le directoire. On voulait également un fonctionnement par pôle permettant de regrouper les services. On voulait la relance des investissements. Il y avait trois autres paramètres également sur lesquels je n'insiste pas. Bien, nous l'avons voulu, nous l'avons eu, tout cela, et avec le recul, tant mieux. Parce qu'à partir du moment où nous avons eu la tarification à l'activité, on a recommencé à parler d'avenir pour nos établissements, avec la notion de projet. Avant, on ne parlait pas de projet, on parlait de plan directeur. Donc, projet médical, socle du projet d'établissement. On a parlé également développement de l'activité, ça c'était tout à fait nouveau, l'objectif c'est de développer l'activité
dans les établissements, puisque le financement de chaque établissement repose sur sa production. Mais pas à n'importe quel prix, bien évidemment, puisque nous n'avons pas la maîtrise des tarifs, c'est l'État qui fixe les tarifs, donc il faut produire à un prix inférieur aux tarifs pour dégager une marge pour investir. Et puis nous avons relancé l'investissement. Voilà. Donc j'en arrive maintenant, j'entends la cloche, à la conclusion. On a vu les progrès sont absolument incontestables. Trois choses. En 1966, dans tous les hôpitaux publics, il y avait 28 000 infirmières. Il y en a 330 000 aujourd'hui. Il y avait 9 000 médecins en 1966. Il y en a 90 000 aujourd'hui, dans tous les hôpitaux publics. En espérance de vie, on a gagné 12 ans en 50 ans. Les CHU sont pour beaucoup. Et puis enfin, le troisième élément, le malade. La condition du malade a également considérablement évolué. Il est passé de la condition de sujet à la condition de personne. Donc il faut tenir compte qu'il a droit à être informé sur sa maladie, qu'il doit consentir au traitement, qui a droit à ce qu'on lui soulage la douleur qu'il éprouve, qui est propriétaire de son dossier médical et qui maintenant peut même demander une sédation profonde sous certaines conditions. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais tellement poser 10 000 questions, mais le temps imparti nous est limité. Donc je passe la parole tout de suite à Christian Cullier, qui va lui aborder la recherche, l'innovation depuis 50 ans et encore pendant 50 ans. Madame la ministre, chers toutes, chers tous, élus, présidents, directeurs généraux, collègues, vice-présidents, doyens, ça fait très plaisir de vous parler donc de la recherche et de son évolution, plus spécialement à un temps. La recherche biomédicale et en santé est une recherche visant à améliorer les connaissances sur les maladies et leur prise en charge. Elle contribue de façon majeure à la qualité des soins, notamment par les innovations, et elle permet non seulement d'améliorer la survie, mais aussi la qualité de vie des patients, et elle est un des piliers d'une formation de qualité. La recherche dans l'histoire de la médecine est émaillée de découvertes et de progrès marquants depuis toujours, mais l'organisation de la recherche est une préoccupation beaucoup plus récente. Et quand on parle d'organisation, quatre facteurs auront joué un rôle majeur. Bien sûr, ça vous a été rappelé tout à l'heure, un des fondements de la reconnaissance de la recherche en santé dans un établissement, c'est la loi Debray, en 1958, qui crée les hôpitaux universitaires, le corps des hôpitaux universitaires, qui ont cette fameuse triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. La création du CERN aussi a sans doute été déterminante en allouant des moyens beaucoup plus importants depuis 1964, donc à la recherche en santé, en créant des unités de recherche, en créant un corps de chercheurs de réputation internationale. Les PHRC, troisième facteur sans aucun doute majeur, ça a été rappelé à l'instant, créés il y a un peu plus de 20 ans, ont été un facteur déterminant également pour le développement de la recherche en lançant des appels d'offres dotés de sommes conséquentes, jamais vues jusqu'à présent, qui auront permis de développer des projets de recherche ambitieux. Un autre facteur décisif a été la création des mairies et la dotation de crédits très importants liés à l'activité de recherche et de formation des hôpitaux. Et l'argent a certainement été un bon argument pour convaincre les directeurs généraux de l'intérêt de la recherche. Il n'a eu sans doute pas besoin de ça, mais ça a été un excellent stimulant. Je me souviens très bien de réflexions de certains directeurs généraux, certes à l'assistance publique, qui disaient que finalement la recherche, c'est un petit peu leur danseuse, ils étaient là pour soigner. Les temps ont vraiment beaucoup évolué. Alors que la création de la faculté de médecine et de pharmacie a été l'acte fondateur de la reconnaissance de la formation médicale, c'est tout à fait clair, ce n'est que très progressivement que l'activité de recherche est installée dans notre paysage hospitalo-universitaire. Une page se tourne en 1980 avec la construction à Saint-Étienne-du-Rouvray d'une faculté qui certes avait des défauts, mais elle était spacieuse, était dotée de locaux dédiés à la recherche, et c'est tout à fait important. Les équipes de recherche étaient de qualité, mais peu nombreuses. Il y avait la physiologie digestive, physiologie respiratoire, pharmacologie, chimie. Mais jusqu'à il y a 20 ans, il y avait une seule unité INSERM en néphrologie et une unité CNRS en neuropsychopharmacologie.
Et cette masse critique pouvait être considérée comme insuffisante, avec les conséquences que cela pouvait avoir en termes de formation, mais aussi en termes d'attractivité. En prenant en compte cet état de fait, les responsables institutionnels de l'époque ont souhaité donner des moyens à la collectivité hospitalière universitaire rouennaise de structurer et de renforcer son activité de recherche. Grâce au doyen Philippe Loret et au conseil régional, évidemment, la construction d'une nouvelle faculté à proximité de l'hôpital Charles-Nicolle et la priorité donnée à la construction d'un bâtiment recherche, je le rappelais à l'instant à Philippe, ont été des facteurs tout à fait décisifs de la dynamisation de la recherche, en facilitant l'accès au laboratoire et en renforçant les liens entre recherche expérimentale et recherche clinique. Autre étape décisive avec la complicité de Philippe Ekeveler, alors président de la CME, et M. Albou, très impliqué dans tout ce qui concernait la structuration de la recherche, puisque lorsque j'ai succédé à Philippe Loret, c'était cette initiative qui consistait à renforcer la lisibilité de notre recherche en santé qui paraissait trop fragmentée. Et ces axes stratégiques ont été définis à partir de l'existant, bien évidemment. Il y avait la gastro-entérologie, la neurologie, le cardiovasculaire, la génétique, l'immunodermatorhumatologie, la cancérologie et la recherche sur la motricité. Et chaque axe, et c'est très important, avait pour mission d'animer les liens entre recherche clinique, recherche expérimentale et de conforter les labellisations. Donc on pouvait dire qu'à cette époque, l'inventaire était fait, il y avait une véritable dynamique qui était en marche. Troisième étape, celle de la montée en charge et la labellisation. Dès le premier appel d'offres de l'INSERM, qui visait à créer des équipes mixtes d'INSERM, trois nouveaux labels ont été obtenus en 1989 en génétique, immunodermatologie et pharmacologie cardiovasculaire, et vite suivis par d'autres disciplines, par la cancérologie, la nutrition, le développement cérébral, la pharmacoépidémiologie, puis la création d'un CIC, Centre d'investigation clinique. Ce qui, en 5 ans, a permis de porter le nombre d'unités labellisées INSERM de 1 à 8. C'est un véritable bouleversement de l'organisation de notre recherche. Avant, ça a renforcé notre force de frappe en termes de recherche, bien évidemment, de réponse aux appels d'offres dans le domaine de la santé, de publications de haut niveau. Sa lisibilité s'en est trouvée considérablement renforcée, aussi bien au plan régional qu'au plan national. Mais au-delà de ça, à partir de ce moment, c'est véritablement tout un comportement qui a évolué, un comportement tourné vers la recherche, et le comportement de chacun s'est trouvé profondément modifié. En dehors des labellisations, qui sont des marques de reconnaissance après l'évaluation nationale et comparative, les découvertes ont été également autant d'événements marquants qui traduisaient le dynamisme de notre recherche. Bien sûr, la mise au point par Alain Crivier de la valeur qui révolutionne la prise en charge de l'attrécissement aortique, véritable découverte marquante des dernières années en cardiologie qui lui a valu de nombreux prix, de nombreux hommages parfaitement justifiés, mais aussi d'autres découvertes, un gène impliqué dans la maladie d'Alzheimer, de nouveaux procédés de stimulation gastrique, des nouvelles approches de traitement de l'endométriose, de l'insuffisance cardiaque, de la maladie cutanée bulleuse, de nouveaux mécanismes pouvant expliquer la boulimie, des techniques de réinnervation laryngée. Donc dans tous les domaines que je viens d'expliquer, il y avait vraiment des découvertes majeures. Mais à partir de ce constat, il nous est apparu qu'au-delà de ces succès, il était nécessaire d'augmenter notre force de frappe en mutualisant nos équipes et en créant une fédération de la totalité des équipes de recherche. Cette entité, d'abord intitulée IHU, qui nous a été volé par le président Sarkozy, mais je suis très content qu'il dit Raoul en ait profité, à Marseille. Nous avons transformé ce nom en IRIM, Institut de Recherche en Innovation et Biologie. Et l'objectif est de mieux encore identifier la recherche, de travailler ensemble, d'organiser des séminaires, des meetings, de mutualiser des plateformes techniques, de répondre à des appels d'offres en commun au nom de l'IRIM, de répondre à des offres de bourse. Et nous étions devenus l'interlocuteur privilégié de nos partenaires. En intégrant bien évidemment au sein de ces structures les équipes de biologie et chimie de la faculté des sciences, et ce dans le profil de tout ce qui s'était fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le lien entre la faculté des sciences et la faculté de médecine et pharmacie, notamment dans le domaine de la biologie, et il faut reconnaître que l'IFRMP, l'Institut fédératif de recherche multidisciplinaire sur les peptides, nous a aidés pendant de nombreuses années à conforter notre activité. Enfin, une des illustrations les plus récentes de ce dynamisme est la création de, il y a un an, de 3 FHU, structures prestigieuses qui concilient clinique, recherche expérimentale,
recherche dans le domaine industriel, dans les domaines de la génétique, du cardiovasculaire et de la greffe. Et cette année, un RHU, structure encore plus prestigieuse, dotée de crédits importants, et qui repose là réellement sur un travail en commun entre industriels et académiques, avec un budget tout à fait important, mais des crédits industriels notoires, puisque ce budget est d'environ 6 millions. Et là encore, le domaine de ce RHU est tourné vers le rétrécissement aortique et tout ce qui en découle comme recherche. Donc on peut voir que, très clairement, que progressivement, la recherche en santé a pu devenir un poids lourd de la recherche dans notre région et acquérir une notoriété nationale et internationale. C'est un édifice magnifique qui a nécessité beaucoup d'énergie, beaucoup d'imagination, beaucoup de complicité entre tous les acteurs, d'une part, et les acteurs et les pouvoirs publics, d'autre part. Il est important de profiter de cette occasion pour les remercier chaleureusement pour l'aide qu'ils nous ont toujours apportée et leur écoute constante. L'outil est performant, au plus jeune de son appareil maintenant, c'est ce qu'ils font déjà avec Brio, et un exemple de ce relais nous est donné immédiatement, mon cher Pierre. Le premier, c'est la diversité de l'activité. Nous sommes tous plongés dans les services, qu'ils soient les services médicaux, les services d'hospitalisation, les services chirurgicaux et autres services, les services de biologie, bien entendu. Et par cette activité diverse, nous avons accès à une interdisciplinarité qui est, à mon avis, vraiment très fort et très important. Dans beaucoup de ces domaines, nous avons également accès à une technologie de pointe. Et c'est un point marquant pour beaucoup de CHU, et c'est également tout à fait vrai pour le CHU de Rouen et pour la faculté de médecine. Et cet ensemble de CHU de faculté a accès donc à de grandes technologies, dont en génétique, l'accès à la génomique dont je vous reparlerai. Le troisième point important pour moi, c'est une activité résolument hospitalo-universitaire, c'est-à-dire un échange entre le centre hospitalier et la faculté de médecine, entre les services et les unités de recherche, l'ISE, INSERM, CNRS, université. Et donc, c'est ce point fort qui, en plus, à Rouen, est physiquement au même endroit, qui nous permet d'avoir accès à une recherche centrée sur les patients. C'est-à-dire que les questions qui sont posées sont des questions qui sont cliniquement pertinentes. Ce sont des questions diagnostiques, des questions pronostiques, des questions de thérapeutique. Et ceci, pour moi, est particulièrement important parce que ça répond aux questions des malades et ça permet de faire avancer les aspects médicaux. Alors, l'ensemble de ces allers-retours patients-laboratoires, que d'ailleurs Charles-Nicolas a utilisé, bien sûr, dans ses recherches, permet à la recherche académique française de grandes découvertes. C'est, à mon avis, des points importants pour permettre l'identification de nouvelles molécules, de la mise en place de nouveaux outils, de nouvelles techniques, ou encore l'entrée dans l'ère de la médecine génomique. Tout ceci permet une recherche compétitive, de grandes découvertes académiques, mais aussi des collaborations nationales et internationales qui nous enrichissent au quotidien. Nous fêtons donc cette année les 50 ans du CHU de Rouen, les 150 ans de la naissance de Charles-Nicolas. Nous avons également fêté les 50 ans de l'université. Et puis récemment, nous fêtions également les 50 ans de l'INSERM. On peut se poser la question, en 50 ans, si on retourne sur ces 50 dernières années de recherche, qu'est-ce qui a tellement évolué, qu'est-ce qui est marquant? Pour moi, le point important pour toutes les disciplines, c'est l'explosion des connaissances médicales et scientifiques et l'explosion de l'accès à ces connaissances. Nous avons maintenant, grâce aux outils informatiques, accès à ces données de façon importante, presque trop importante, avec l'accès à de nombreux articles, de plus en plus d'articles, de plus en plus de revues, si bien que ces éléments nous permettent de réaliser vraiment l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves, même si le pendant de ça, c'est la nécessité de filtrer cette information tellement elle est importante pour surspécialiser nos domaines. Alors, évidemment, un des domaines qui est emblématique de l'explosion des connaissances, c'est un des domaines que je connais,
c'est la génétique. Et si on repart en arrière, on passe 150 ans en arrière, à la naissance de Charles Lucas, on est à peu près aux alentours des lois de Mendel, c'est-à-dire la loi, les lois de transmission des caractères. Il a fallu de nombreuses années pour identifier les premières méthodes d'exploration de l'ADN, pour même identifier l'ADN comme support de l'information génétique, et de nombreuses années pour ces premières techniques. Mais finalement, ces dernières années, les 10-15 dernières années, ont vu une explosion des connaissances médicales et scientifiques en génétique avec l'ère de la médecine génomique et le génome humain. Il a fallu 13 ans pour séquencer 5 génomes, le génome de 5 génomes. Aujourd'hui, en quelques semaines, vous pouvez séquencer le génome entier de plusieurs individus, et ce pour seulement, entre guillemets, $1000 par individu, ce qui est relativement peu comparé à ces études. Si bien qu'auparavant, nous avions accès, pour un individu donné, à une vision très mince de son génome. C'était quelques dizaines, quelques milliers de paires de bases, de lettres, sur les milliards et 3 milliards qui nous constituent. Et aujourd'hui, en quelques semaines, en parallèle, on a tout de suite les 50 millions de paires de bases que constituent nos gènes et les 3 milliards de paires de bases qui constituent notre génome. La technologie de ces bases doit être lue plusieurs fois, si bien que je laisse imaginer la quantité de données informatiques que nous devons traiter, analyser, manipuler, stocker. Alors évidemment, nos laboratoires sont toujours meublés de paillasses, nous utilisons toujours des pipettes, mais de plus en plus, nous travaillons avec des informaticiens, des bioinformaticiens, des biostatisticiens. Nous avons besoin de matériel informatique, nous avons besoin de serveurs, de calculs, des baies de stockage, des véritables data centers. Nous sommes vraiment rentrés dans l'ère du big data en médecine génétique. Quelques chiffres simplement pour vous illustrer cela. Si l'on s'intéresse simplement à 1,5% de notre génome, c'est ce qui est probablement le plus important, ce qui code pour les gènes, qu'on appelle également l'exome. Dans nos gènes, nous avons tous 20 000 variations, c'est-à-dire des modifications qui nous sont graves et qui sont différentes les unes des autres, qui sont différentes par rapport à ce qu'on appelle le génome de référence. Parmi ces variations génétiques, 1000 sont très rares, c'est-à-dire qu'elles sont retrouvées individuellement moins d'une fois sur 1000. Et parmi ces variations rares, il y en a certaines qui sont tellement rares qu'elles ne sont présentes que chez vous et chez quelques-uns de vos membres de votre famille proche. Si bien que le défi aujourd'hui, c'est plus de détecter ces variations, la technologie vous permet, mais bien d'interpréter la signification de ces variations génétiques, et en particulier des variations génétiques rares. Et pour ça, là encore, nous avons besoin d'une interdisciplinarité. Nous travaillons avec des bioinformaticiens, des biostatisticiens, des généticiens moléculaires, des généticiens cliniciens, et nous travaillons également avec des biologistes fonctionnels qui travaillent en particulier sur les modèles animaux. Et le point fondamental reste la confrontation entre les données génétiques et le patient, et les symptômes du patient, et donc l'expertise que les cliniciens des différentes spécialités, dont la génétique clinique, ont à évaluer les signes cliniques de ce patient. Je termine. Cette révolution a été une révolution en recherche, je vous ai exposé quelques-uns des éléments, mais elle a été tout de suite transposée en médecine. Nous avons tout de suite donné accès aux patients à ces technologies qui permettent aujourd'hui d'accéder également à un diagnostic plus rapide, et donc à diminuer l'errance diagnostique dans les maladies rares, et donc à adapter le suivi, la prise en charge des patients. Les positifs suivants. Donc, simplement pour conclure, devant toutes ces connaissances, on peut se demander, mais est-ce qu'il reste encore du travail pour la jeune génération? Je vous rassure, oui, il reste énormément de travail en génétique. Je vous ai parlé de 1,5% de notre génome, ce sont les gènes, il y a encore énormément de connaissances à acquérir sur ces variations génétiques et sur nos gènes. Il y a aussi les 98,5% restants, qui ne sont pas directement les gènes, mais qui sont de l'ADN de structure et de l'ADN de régulation. Et le défi de demain, pour la jeune génération, ça va être de comprendre les implications de ces gènes entre eux et les interactions de ces variations génétiques avec l'environnement. Tout cela pour revenir à l'individu et donc être capable de calculer des risques individu par individu en fonction des variations génomiques et en fonction des maladies pour pouvoir leur proposer une stratégie de prévention, une stratégie thérapeutique adaptée et donc une médecine qu'on appelle médecine génomique, médecine de précision.